Genèse chapitre 49. Nous lisons le verset 25. Je ne serai pas long. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Au travers de ce verset, il y a une puissance qui sera dégagée pour toucher ta vie, pour toucher ta famille, pour toucher ta destinée. Parce que ma prière ce matin, je veux que ta destinée puisse se rencontrer les plans de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut nous lire Genèse chapitre 49. Nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 25. La Bible nous dit ceci: c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Et tu nous la parole de Dieu. Neno la mungu. Je vais lire Kasoma. Job chapitre 14. Yobo suraki wa kumi na ine. Job chapitre 14. Yobo suraki wa kumi na ine. C'est rare que nous arrivons à prêcher sur les livres de Job. Ni vigumu tunafika mkubiri kwa kitabu ya Yobo. Lorsqu'on voit Job, wakati tunamona Ayubu, on voit toujours le symbole de misère, tunaona paka alama ya mateso, le symbole de malheur, alama ya laana. Mais dans ces livres de Job, lakini mu kitabu ya Ayubu, il y a toujours une puissance. Munakuwa pia uwezo. Dans ce livre de Job, nous voyons la main puissante de Dieu qui délivre aussi. Job chapitre 14, le verset 7. Un arbre a de l'espérance. Ici, Job ne parle pas d'un homme. Il parle d'une autre créature. L'arbre, muti, il a dit, anasema, un arbre, muti, a de l'espérance. Inakuwa na tumaini. Quand on le coupe, wakati wanaikata, il repousse. Inaota, il produit encore le fruit. Inazate na matunda. Tu peux dire amen. Unasema amina. L'arbre, muti, un arbre, muti, a de l'espérance. Inakuwa na tumaini. Quand on le coupe, wakati wanaikata, il repousse. Inaota malingine. Et il produit encore. Na inazatena des fruits. Matunda. Si la kama muti n'a pas été créé, haikumbe à l'image de Dieu, kwa picha ya Mungu, à la ressemblance de Dieu, kwa fanao wa Mungu. Mais lorsque Job, wakati Yobo, contemple la, anatazama muti, il fait cette conclusion. Anasema hii kifungilio. Il dit, anasema ena muti a de l'espérance. Iko na tumaini. Toi qui m'écoutes ce matin, wone nifata subuhi ya leo, quel que soit ingawa ce que tu as traversé yenyo ripitisha comme situation kama mateso, l'unique chose je te dis, kitu mwana kwambia, ne perds pas l'espoir. Hapana kupotesha tumaini. Je dis ne perds pas l'espoir. Nasema usipoteshe tumaini. Si tu avais de l'argent, kama ulikuwa na pesa, tu as perdu cet argent, ulipoteshe le pesa. De la même manière, unamna moja, le même Dieu, ou le Mungu qui t'avait donné les opportunités de percevoir cet argent, ce Dieu-là n'est pas mort. Ce Dieu-là n'est pas coupé. Il est là. Il existe. Un arbre muti a de l'espérance. Il a quoi na tumaini. Même si on le coupe, attends on a ikata, il va repousser. Itaota mala ingine. Réfléchissons. Tu fikiri kwanza. Celui qui coupe l'arbre, mwenye anakata muti, il a ses raisons. Anakuwa na masababu yake. Mais celui qui fait pousser aussi l'arbre, lakini mwenye anafanya muti wote tena, il a aussi ses raisons. Na yeye pia anakuwa na masababu yake. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Lorsqu'on coupe l'arbre, wakati banakata muti, on ne coupe pas les éléments. Abakate vifa font pousser là. Vinafanya muti komal. Lorsque le monde cherchera te détruire. Wakati dunia tatafuta ikwarabishe. Mais le monde n'a pas les éléments qui ont fait que tu puisses exister. Lakini dunia aina na vifaa vilifanya wewe uishi.
Et tu dois savoir une chose. Na unapasha kujua kitu moja. Tu n'es pas un fruit d'hasard sur la terre. Hauna matunda ya mstushwa hapa dunia. Tu n'es pas un fruit d'un accident sur la terre. Hauna matunda ya msiba hapa pa dunia. Lorsque tu existes, wakati unaishi, il y a quelqu'un qui a décidé kuko mutu mari chukua mupango de ton existence sur cette ya terre. Ya uwepo pa dunia. Lorsque tu vis, wakati unaishi, même aujourd'hui, hata leo, ce n'est pas les hommes qui se sont réunis aina watu walijikusanya pour décider de ton existence. Njua kuchukua wewe uishi, c'est Dieu qui a décidé. Ni Mungu alichukua mpango yake. C'est pour te dire. Njua kwambia, tu ne vis pas auishi pour les hommes. Juu ya binadamu, tu vis pour Dieu. Uko naishi juu ya Mungu. En d'autres termes, mkusema kwingine, tu n'es pas la propriété privée des hommes. Hauna kitu ya batu, mais tu es la propriété privée de Dieu. Lakini unakuwa kitu ya bei ya Mungu. Et c'est Dieu qui décide. Na ni Mungu anachukua mpango par rapport à ta vie. Kulingana na maisha yako. C'est la raison pour laquelle je vais attirer ton attention. Takokota uangalisho wako. Que tu vives. Ili uishi. Ce que Dieu a décidé sur ta vie. Kile Mungu alichukua mpango pa maisha yako. Doit appartenir à Dieu. Unapasha kuya kwa Mungu. Tu dois te rendre compte. Unapasha kutambua kama. Ce que tu es. Kile wiko. Ce n'est pas les hommes. Aina batu. Ce que tu es. Kile wiko. C'est Dieu. Ni Mungu. J'ai aimé. Miripenda. Ce que les musiciens ont chanté. Kile waimbaji walimba. Ce n'est pas ma faute. Aina makosa yako. Moi je suis innocent. Mie sina mambo. Mais je suis seulement un accidenté de la grâce de Dieu. Na kwa tu mtu alipata musiba munema ya Mungu. Ce n'est pas de ma faute. Aina makosa yangu. Même si vous me combattez. Hata mnanikombanisha. Ce n'est pas de ma faute. Aina kosa yangu. C'est que je suis. Kile niko. Ce n'est pas aina la raison sababu de mon intelligence. Ya kile yangu. Mais c'est que je suis. Kile niko. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est que tu es, c'est Dieu. Kile wiko ni Mungu. C'est que tu seras, c'est Dieu. Kile utakuwa kesho ni Mungu. Comme tu as encore de l'espérance. Mouvile au côté de la tumaini. Et ce qui justifie l'espérance que tu as. Na kile kinatetea tumaini lokunayo. C'est le souffle de vie. Ni pumzi ya uzima. Bien-aimé, upendwa. Si tu as le souffle de vie, kama una pumzi ya uzima, apprends à espérer. Ujifunze kutumainia. Apprends à espérer. Ujifunze kutumainia parce que tout peut arriver. Kwani yote inaweza kufika. Amen. Amina. Amen. Dans ce monde, je vis des gens se réveiller pauvres. Na watu wanalamuka wa maskini et dormir riche. Na wanalala watajiri. Et j'ai vu aussi, miliona pia, les gens se réveiller. Watu wanalamuka riche, watajiri, dormir pauvres. Wanalala wa maskini. Tout dépend. Yote na matana, des temps, na wakati, et des circonstances. Na majira. Mais ce que je vais te dire ce matin. Lakini kile napenda kukonesha asubuhi ya leo. Écoute-moi très bien. Unisikie mzuri kabisa. Tu ne t'appartiens pas. Wewe hauna wewe. Tu appartiens à Dieu. Unakuwa wa Mungu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jacob. Dio kwa maana Yakobo. Lorsqu'il a regardé Joseph. Wakati alimwangalia Yusufu. C'est sur ça qu'on va parler ce matin. Ni pale tutaongea asubuhi ya leo. Notre verset de base. Mstari yetu ya msingi sur le verset 25. Ni mstari ya 12. Mais c'est le couplet qui nous dit. Na ile inatuambia mstari inatuambia c'est l'œuvre ni kazi du tout puissant. Ya wa uwezo wote qui te bénira. Itakubariki. C'est l'œuvre ni kazi du tout puissant. Ya mwenye uwezo yote qui te bénira. Itakubariki. Lorsque nous cherchons la bénédiction. Wakati tunatafuta baraka. Nous devons d'abord savoir. Tunapasha kujua la source de la bénédiction. Chemchemu ya baraka. La source de la bénédiction. Chemchemu ya baraka. C'est Dieu. Ni Mungu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Mwenye anabariki ni Mungu. La provenance de la bénédiction, c'est Dieu. Chemchemu ya baraka ni Mungu. C'est Dieu qui détient la bénédiction. Ni Mungu anashika baraka. Or je vous avais dit, japo ndimeambia, la bénédiction, baraka, c'est une parole
positive déclarée sur la vie d'un homme ou d'une femme pour influencer sa destinée et influencer aussi son identité. Et la première bénédiction que nous devons garder, que nous devons protéger, c'est notre identité en Christ. Parce que c'est cette identité-là qui fait de nous enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, tu ne seras jamais béni en dehors de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas la bénédiction. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas béni. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu se fait la volonté de notre maître. Notre maître, c'est Jésus. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Tu peux danser. Unezi kucheza. Si tu ne fais pas l'œuvre du Tout-Puissant, kama ufanye kazi ya mwenye uwezo, tu ne pas béni. Hautabarikiwa. L'œuvre du Tout-Puissant, kazi ya mwenye uwezo yote, faire la volonté de Dieu. Ni kutenda mapenzi ya Mungu. Et la volonté de Dieu. Na mapenzi ya Mungu. Retrouve dans sa parole. Inajikuta ndani ya neno lake. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu vous bénisse. Nous comprenons tous. Tunaelewa sisi wote. Que la bénédiction ya kama baraka vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. C'est vrai qu'à l'église, lorsqu'on parle, wakati wanasema de la bénédiction, tu ya baraka, tu dois savoir, unapasha kujua, c'est faire la volonté de Dieu. Ni kufanya kazi ya mapenzi ya Mungu. Mais l'église, lakini kanisa, lorsqu'on cherche la bénédiction, wakati tunatafuta baraka, on cherche toujours les dons, tunatafuta paka mazawadi, mais on oublie celui qui donne les dons. Tunasabu mwenye analeta zawadi. Ce matin, asubuhi ya leo, j'aimerais te dire, tapenda kuambia, ne sois pas derrière les dons. Hapana kuya nyuma ya mazawadi. Mais sois derrière celui qui donne les dons. Lakini kuya nyuma ya mwenye analeta zawadi. Parce que si tu as le don, juu kama kuna zawadi, le monde va te combattre. Dunia itakukombanisha. Très bien. Vous savez, le monde combat ce qu'il voit. Mais le monde ne doit pas combattre celui qui ne voit pas. Mais le monde voit ce que le monde voit. Lorsqu'on a vu Samson, wakati waliona Samson, il était fort. Alikuwa na nguvu. Mais le monde se posait la question. Lakini ulimwengu ulikuwa anajiuliza, pourquoi il est fort? Tu as nini anakuwa na nguvu? Et le monde a commencé à chercher ce qui faisait la force. Na dunia ilianza kutafuta kile kikunafanya nguvu. Les combats que tu as. Vita uko nayo. Parce que le monde a déjà fait des recherches. Kwani dunia isha kutafutisha. Pour savoir ce qui fait ta force. Jua kujua kitu kinafanya nguvu yako. Si c'est la prière, kama ni maombi, le monde va combattre la prière. Dunia itakukombanisha juu ya maombi. Mais il ne doit pas combattre. Lakini abata kombanisha. Celui qui donne mwenyana la force nguvu de la prière. Ya maombi. C'est pourquoi la Bible dit, les adolescents watoto chancelent les tons. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Bien aimé dans le Seigneur, le monde peut combattre ce qui fait ta force, mais Dieu va te renouveler encore. Cherche Dieu, que Dieu soit dans ta main. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons dit, passons à l'autre bord, parce que nous savons que nous n'allons pas passer seul. Jésus est dans la main. Si Jésus est dans la main, si Jésus est dans ta vie, si Jésus fait la force de ta vie, quel que soit le degré de combat, Jésus qui est à toi, il va se manifester pour calmer le combat, pour limiter le combat. On a
vraiment cherché ce qui faisait la force de Samson. Walitafuta kilifanya nguvu ya Samson. Jusqu'à ce que mukufika pak. On a infiltré une femme. Waringisha mama moja. Samson. Na Samson. A livré le secret. Alileta siri. Ce qui faisait ma force. Na ile ilifanya nguvu yangu. C'est le cheveu. Ni nyele. Donc les dons. Zawadi. De Samson. Ya Samson. C'était les cheveux. Ilikuwa ni nyele. On a coupé les cheveux. Wanakata nyele. Mais Samson. Samson. Était devenu faible. Mais ils n'ont pas coupé les germes qui font pousser les cheveux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait ta force, c'est ce qui va t'amener loin. Ce qui fait ta force, ce n'est pas les dons. Ce qui fait ta force, c'est la puissance de Dieu. Ce qui garde la présence de Dieu en toi. Dites amen très bien. C'est Mamina Mouzouri. Combien de fois les membres de Goshen ont été découragés? Mara ngapi wa membres de Goshen wa lipungukiwa nguvu. Pour dire n'allez pas à Goshen. Donc ça mushende ku Goshen. Il y a d'autres qui se sont découragés. Ku wengine wa lipungukiwa nguvu. Malgré ça, inga yote ce qui a fait la force de Goshen. Qui Goshen. Continue à fonctionner. Ikurenda na kutumika. Continue à travailler. Ikura tubika. Ma prière ce matin. Maombi yangu asubuhi ya leo. Même si tu es faible aujourd'hui. Mais ce qui fera la force. Qui tafanya nguvu. Ce qui fait la force de ta vie. Va encore t'amener très loin. Va encore t'amener très loin. On peut couper les cheveux. Ce n'est pas un problème. On peut mettre des limites. Ce n'est pas un problème. On peut te dire que tu n'es pas compatible. Ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais te dire. Ce qui fait ta force. C'est ce qui est à toi. Ne perds pas ça. Ne perds pas ça. Si tu es venu à l'église pour le mariage, mets d'abord le mariage à côté. Prends Dieu. Le mets lui au centre de ta vie. Parce que le mariage, on peut le combattre. Oh, dis ta main très bien. C'est Mamina Mouzouri. Même le mari là que tu veux protéger. On peut le séduire. Mais avec quelle force que tu vas le récupérer? Il y a d'autres femmes qui se battent même. Pour récupérer le mari. Avec la force tu ne sauras pas. Avec le marabout tu ne sauras pas. Avec la prière. Avec la présence de Dieu. Tu seras fort. Tu vas gagner la bataille. Tu vas gagner le combat. Ma prière ce matin. Comme Jacob a dit. Que c'est l'œuvre de Dieu de ton père. Qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu puissant. Il voulait dire. Mets Dieu au centre de ta vie. Tu réussiras. Si tu pleures aujourd'hui parce que toi tu vois les dons. Comme on a lié à Léon, John, on a Zawati. Tu vois ce que Dieu peut te donner. Mais tu n'as pas besoin de Dieu. Celui qui a Dieu. C'est lui qui met Dieu au centre de sa vie. C'est ce jour-là il va cesser à pleurer. C'est lui qui met Dieu au centre de ses intérêts. C'est le jour où il va cesser de pleurer. A pleuré plusieurs années. Maintenant le jour où elle s'est dit en elle-même. Si tu me donnes un enfant mal, je vais le consacrer à toi. C'est ce jour-là Anne a cessé de pleurer. Ma soeur, toi qui me quel que soit le problème, quel que soit le degré de la déception que tu as reçu de ce monde, oublie tout ça. Prends Dieu, mets lui au centre de ta vie. Il va se glorifier. Parce que tu ne vis pas pour les dons, mais tu vis pour Dieu. Job lui-même a dit, en réalité dans l'homme, c'est le souffle de Dieu puissant, le souffle que tu respires, c'est ce qui justifie la présence de Dieu dans ta vie. S'il y a une chose qui est impossible, que les hommes ne réussiront jamais, c'est de créer un statut sanamu et mettre le souffle là na kuweka ndani ya sanamu pumzi ya uzima. Tout ce que les hommes créent yote le watu wanaumba ce sont des robots. Inakuwa ni robots qui marchent avec des batteries. Beko natembea na vyombo les batteries seront déchargées. Wakati wa batterie taisha moto ils seront plus abataweza tena.
de se déplacer. Mais toi, lakini wewe, tu n'as pas besoin de batterie. Tu n'as pas besoin d'être branché. Mais tu es branché au souffle. C'est Dieu qui contrôle ta respiration. C'est la raison pour laquelle, depuis que les sorciers ont commencé à te combattre jusqu'à aujourd'hui, dès ta naissance, jusqu'à cet âge, ils ne réussiront jamais. N'aie pas peur à cause des sorciers. Ils ne vont pas réussir à te tuer. Toi, tu ne vis pas pour les sorciers. Tu ne vis pas pour les hommes. Mais tu vis pour Dieu. Tu es Mungu. Mets Dieu au centre de ta vie. Lorsque tu te réveilles, réveille-toi pour Dieu. Lorsque tu marches, marche pour Dieu. Lorsque tu dors, dors pour Dieu. Lorsque tu manges, mange pour Dieu. Lorsque tu t'habilles, habille-toi pour Dieu. Lorsque tu danses, danse pour Dieu. Lorsque tu souris, souris pour Dieu. Lorsque tu regardes pour Dieu. Ne mets pas ta force en avance. Mbele. Tu vas échouer. Utashinda. Mets Dieu au sein. Weka Mungu katikati. Sera que tel que je te vois. Vile unako. Comme tu es dans cette salle. Vile kumuye kalu. Je te vois déjà béni. Nakona mwenye kubarikiwa. Oh, je dis, je te vois déjà béni. Nasema nakona mwenye kubarikiwa. Je te vois déjà béni. Nakona mwenye kubarikiwa. Je te vois déjà béni. Nakona wa kubarikiwa. Je te vois déjà béni. Nakona mwenye kubarikiwa. Je te vois déjà béni. Nakona mwenye kubarikiwa. Je vois le signe de la bénédiction. Naona maalama ya baraka. Dans ta vie. Pa maisha yako. Je vois le signe de la bénédiction. Naona maalama ya kuponyaji. Dans ta famille. Mchama yako. Je vois le signe. Naona maalama. Avant que la bénédiction puisse se matérialiser, kabla baraka ifike mkonekana na macho, il y a d'abord des signes. Kuna kwa mbele maalama qui accompagne cette bénédiction. Yenye nasindikize ile baraka. Amen. Amina. Ne te bats pas. Apana kukombana avec ta force. Na nguvu yako. Laisse Dieu. Acha Mungu s'exprimer en toi. Atseme ndani yako. Amen. Amina. Amen. Amina. Ça c'est le conseil que je vous donne. Inakuwa ni shauri nimpatia. Amen. Amina. Amen. Lorsque Jacob wakati Yakobo parlait de Joseph, alikuwa anaongea juu ya Yusuf. Nulle part. Face à ta mort. Si vous regardez le parcours de Joseph, ukiangalia safari ya Yusuf, lui ne s'est jamais battu pour sa destinée. Yashikukombana ke jua maisha yake kesho. C'est Dieu, ni Mungu qui s'est battu. Alikombana pour que tout ce que Joseph avait vu, Yusuf aliona, puisse se réaliser. Ifike mkonekana. Qu'est-ce que toi tu as déjà vu? Nini wosha konaka par rapport à ta vie? Kulingana na maisha yako. Bien aimé, mupendwa, la plupart des chrétiens wa Christ wengi n'évoluent pas awende mbele, parce qu'ils voient les combats. Tu vois, on a wana paka vita, mais ils ne voient pas lakini Dieu abamone dans leur vie. Mwili maisha yabo. Et voient les liens de famille, mankamba ya kizazi, mais ils ne voient pas lakini Dieu abamone dans Mungu leur vie. Mpa maisha yabo. Et soupçonnent même les kafas. Même la souris, un chrétien, un pentecôtiste, il a toujours peur. Bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu vois, Dieu, vois la gloire de Dieu. Mais chaque chacun peut donner fruit. Même si on les a présentés le feu, mais dans le feu, ils ont vu la puissance de Dieu. Où est Zomung? Ne fuis pas les combats. Bien vite. Aussi longtemps que si tu es sur cette terre, japo wingari hapa dunia, nous on ne prie pas kama homme, pour qu'on n'ait pas de combat. Dieu, tu mais nous on prie lakini si tu pour omba, que Dieu se lève ili Mungu anyamuke mbele ya bukomvi. On ne prie pas atuombake pour qu'il n'y ait pas de combat. Dieu, tu je t'assure na kwa d'abord du fait que tu es chrétien, tu as déjà engagé une guerre entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Dans le monde spirituel, il y a déjà un combat. Mais tu as peur de quoi? Dans ce combat-là, vois la gloire, vois la puissance, vois Dieu dans ce combat-là. Depuis, il continue toujours à pleurer. Dieu ne va pas intervenir à cause de tes pleurs. Même les enfants d'Israël. Attends, Israël. Si Dieu avait intervenu. Kama Mungu alikuwa wasaidia. Parce que le temps que Dieu avait limité était accompli. Tu wakati Mungu aliweka irifika mutimilika. Il a intervenu, c'était à cause de l'alliance. Alifika ni njuku kwa agano. Il avait fait. Yenye alitenda. Avec Abraham. Pamoja na Ibrahim. Avec Isaac. Na Isaka. Avec Jacob. Na Yakobo.
Même Ismaël dans le désert. Lorsque Dieu a entendu les cris, c'était à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Vous savez, Anne a pleuré plusieurs années. Hein. Mais le jour où il a mis Dieu au centre de ses intérêts, vous savez, tes pleurs là ne peuvent pas pousser Dieu à intervenir. Et ce qui détruit la présence de Dieu dans notre vie, ce sont des murmures. Dites amen très bien. C'est ma mina muzuri. Dieu n'aime pas le murmure. Même dans le désert. Ceux qui sont morts, ce sont des personnes qui murmurent. Les gens qui ont été murmurés. Amen. Dites amen très bien. C'est ma mina muzuri. Il cherche toujours à attirer la pitié des hommes. Il y a aussi d'autres orphelins comme toi. Ils ont réuni courage. Ils se sont encouragés. Ils se sont dit, je n'ai pas un père. Je n'ai pas une mère. Mais j'ai la destinée devant moi. Je dois m'élever pour affronter la vie. L'une personne qui peut m'aider dans cette affaire en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y en a pas. Si ce n'est que Dieu lui-même, il s'élève, il affronte la vie, il réussit. Jacob a voulu démontrer à son fils, moi un jour je ne serai pas là, mais c'est lui qui peut t'aider dans la vie. C'est le Dieu que je te présente. Cochène, je n'ai pas des millions à vous donner. Cochène, je n'ai pas ni or ni argent à vous donner, mais ce que je peux vous donner, c'est le nom de Jésus-Christ. Partout vous allez marcher avec le nom de Jésus. Même si les portes sont fermées, les portes vous seront ouvertes à cause de Jésus. Ne voyez pas le pasteur. Voyez le Dieu que le pasteur vous prêche. Moi je vous prêche un Dieu puissant. Un Dieu grand. Il peut prendre quelqu'un de néant. Même si tu dis que je suis venu voir le pasteur, il ne m'a rien donné, tu commences à te lamenter, ça ne va pas changer. Si tu prends le Dieu du pasteur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu le mets en pratique dans ta vie. Moi j'ai beaucoup de témoignages dans cette église. Beaucoup de gens ils ont quitté ici parce qu'un jour ils ont demandé quelque chose, je ne les ai pas donné. What to mingi waritoka hapa juu ari mulomba baba kitu ashibape. Ne cours pas derrière le matériel. Hapana kukimira nyuma ya vifaa. Mais cherche le Dieu de cet homme. Tafuta Mungu wa huyu mtu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Il est capable Eko na uwezo de changer ta vie. Ya kubadilisha maisha yako. Il est capable Eko na uwezo de transformer ta vie. Ya kubadilisha maisha yako. Il peut prendre un cambiste. Anaweza chukua cambiste. Il fait de lui un chef d'entreprise. Anamfanya kuwa chef wa kampuni. C'est le Dieu de Goshen. Ni Mungu wa Goshen. Le Dieu que je vous prêche. Mungu anatubiri. Il l'a fait dans cette église. Alitenda de la même manière. Munamu na moja. Il l'a fait Alitenda. Avec l'autre. Pamoja na mwingine. Il est capable Eko na uwezo de le faire avec toi. Ya kutenda na wewe. Anaweza chukua quelqu'un qu'on a rejeté. Mais lui l'a pris. Lakini anakuwa. Pour le restaurer. Cho kumurekebishwa upya. Il n'a pas dit prenez, il a dit c'est l'œuvre de Dieu de ton père. Alors ça n'est quasi ya Mungu ya baba yako. Parce que ton père a un Dieu. Tu baba yako yuko na Mungu. C'est que ton père peut te donner. Il est baba yako anaweza kukupatia. C'est ce qu'il a reçu de son Dieu. Ni ile alipokea kwa Mungu wake. C'est ce qu'il peut te donner. Ni ile anaweza kukupatia. Amen. Amina. Ceux qui ont mangé le pain. Wale walikula mkate. Pendant le temps de Jésus. Wakati ya Yesu. Lorsqu'il n'y avait plus de pain. Wakati mkate ikue. Ils ont fui. Walikimbia. Mais ceux qui ont mangé la parole. Wale walikula neno. Quel que soit le moment difficile. Ingama wakati ya mateso. Ils sont restés. Walibaki.
Ne cours jamais derrière les dons. Apana kukimbia nyuma ya mazawadi. Usalaki ya d'autres personnes. Chukule kukua tu wengine. Ils se mobilisent seulement dans les églises où il y a des dons. Wana kusanisha tu kanisa bule mnakuwa mazawadi. Mais ils oublient la parole. Lakini wanasabu neno. Mais ce qui fait la force. Ile nafanya nguvu. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Ce qui va te maintenir en vie. Yenye takushunga mzima. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Ce qui va t'aider. Yenye takusaidia. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Ce qui peut te consoler. Yenye takufariji. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Ce qui peut relever ta tête. Yenye tanyanyua kichwa yako. Ni neno. Ce qui peut créer. Yenye nezikumba. Recréer. Wala kumba malapili. Ce qu'on a détruit. Yote baralabisha. C'est la parole. Ni neno la Mungu. En dehors de la parole, inje ya neno, il n'y a pas la vie. Hakuna uzima. Mets Dieu au centre de ta vie. Weka Mungu kati ya maisha yako. Mets la parole de Dieu au centre de ta vie. Weka neno la Mungu kati ya maisha yako. Même si on a coupé, on a limité ta vie comme l'arbre. Comme on a décrit Joseph, il est comme un rejeton. Hata kama wanakata fertile, mais les racines existaient. Wakati walikata kama muti lakini mizizi ilikuwa hapo. Et le racine pour ta vie c'est la semence de Dieu ou c'est la présence de Dieu dans ta vie. Na mizizi kama maisha yako ni mbegu ya Mungu, neno la Mungu pa maisha yako. Samson. Hata Samson. Moi j'ai aimé ça. Lipenda ile. Les yeux crevés. Macho kutoboka. Lorsqu'il a touché. Wakati aligusa. La tête. Kichwa yake. Il a vu que les cheveux. Anaona kama nywele. Ont commencé à pousser. Inaanza kuota. Il a fait une prière. Alifanya ombi. Il a dit à Dieu. Anamwambia Mungu. Seigneur. Bwana. Fais que. Fanya kama. Je puisse me venger. Nirudishe kisasi. De mes yeux. Ya macho yangu. Devant mes ennemis. Mbele ya badui bangu. Il a prié. Aliomba. Dieu l'a exaucé. Mungu alijibu. Et il est mort. Na alikufa. Avec tous les Philistins. Na wa Filistino wote. Et le peuple d'Israël. Na taifa Israeli. Était délivré. Ilifunguliwa. Parce que la mission de Samson. Kwani kazi ya Samson. C'était de délivrer. Ilikuwa ya kufungula. Israël. Israeli. Contre les Philistins. Kupingana na wa Filistino. J'aimerais là où tu es. Tapenda pale wiko. Que tu puisses réaliser. Ufike mkutazama. Si Dieu est au centre de ta vie. Kama Mungu kukati ya maisha yako. Si l'arche de l'Éternel. Kama sanduku la wa milele. Est dans ta vie. Iko ndani ya maisha yako. Si la parole de Dieu. Kama neno la Mungu. Domine ta vie. Inatawala maisha yako. C'est ce qui va t'aider à réussir. Ni ile itakusaidia kuweza. Et si tu pries. Na wakati unaomba. Avec la révélation. Pamoja na ufunuo. De la parole de Dieu. Ya neno la Mungu. Tout ce que tu vas demander. Yote utalomba. Ça va se réaliser. Itatimilika. Ushombe na bivukutu. Unaomba motoka ujue pourquoi unaomba motoka. Unaomba motoka mais auna na makuta karbira. Unaomba mariage mais karakteri yako ya change. Mu telefone mule muku mamambo mingi sana. Utapata fiancé leo shukuta atakulomba telefone unaanza kumfokea. Commence d'abord à arranger ta vie. Anza mbele kutengeneza maisha yako. Mets Dieu au centre de ta vie. Weka Mungu kati ya maisha yako. Kwa Mungu haina ku plein de jeu. Amen. Munakuwa munaimba imba, munalalamika lalamika bana mpatia biscuit muna. Non, kwa Mungu c'est lorsque on met Dieu au centre. Wakati tunamweka Mungu katikati. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour te perdre. Mungu achaweza kupatia kitu ndio akupoteshe. Dieu ne peut pas te donner le mariage pour que banze kumuchambula semule makanisa yenu abamifundisha. Non, il faut d'abord commencer à travailler le caractère. Inabidi kwanza mbele kutengeneza tabia. Mungu achaweza kupatia ndoa ili uanze kumchamburisha. Mungu achaweza kupatia kaji bwiji mbele au yaacha kudeplacer déplacer tout bintu. Même dans l'église, on n'a pas l'esprit à profiter. Je suis en train de vous aider. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Il faut que tu te conformes aux paroles de Dieu. Mais si tu te fais, Dieu va te donner. Bela pa uyapata makuta.
unaingia paka maboate oh barafiki yangu ndio bari nibebe wewe parole ya Mungu haizi kuorienter ni barafiki bananza kuorienter pourquoi vous êtes calme je suis en train de vous aider kuna misaidia unapata tu 10 dollars demache unachange unaanza kushambula na bantu wasema mimi nitamifungushi juu ya 10 dollars Dieu a dit dollars, tu dis aux gens que tu connais mon niveau. Niveau kanukunayo. Lorsque Dieu veut nous mesurer, nous mesure tous au travers du nom de Jésus. Il nous mesure au travers du sang de Jésus. Wakati mungu apenda kutupima, tupima si bote mukipimo ya Yesu. Mama. 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 Apana kujisha nyumba yako. Amuyapata. Kwa mama mwingine. Anatoka tu inje. Wegelo. Ingia mushamba. Nyangula valise. Utaona 10,000 dollars. Misha kuipanga panga 2,500. Ilo uyachi. Mewende huku kukwe. Huku ma 10 dollars, 10 dollars misha kubeba. Ushibe. Wengine unaita ba mwinji munyumba. Wengine unaita demo munyumba. Mwe. Munacheza na bitu sana. Tena unalamika ni mubalabala. Voize anafua 3 jours a shukuru. Mais wako unaangalia vi uno chambula batoto vile banatupa bukari. Je vous checke à balanfa 3 jours à Bakouri. Il faut mettre Dieu au centre. Celui qui met Dieu au centre. Il regarde celui qui n'a rien. Il lui donne quelque chose. Celui qui a faim. Il lui donne à manger. Il ne doit pas se moquer. De ceux-là qui n'ont rien. Dis ta main très bien. C'est ma mina mzuri. Même dans les ministères. Attends, dans la houduma. Il y a un parcours. Mon quoi safari. On dit ta main très bien. Vous voyez le pasteur Patrick aujourd'hui. Mon amour, mon chungaji Patrick Léo. Peut-être vous ne savez pas par où il est passé. Ça signifie que Dieu fasse à répétir. Mais toi, tu veux aussi être comme lui. La qui on a peine à ouvrir ça est. Il faut mettre Dieu au centre. Il n'a pas dit que Mungu katikati. Que Dieu puisse te conduire. Mungu akongoze. De la même manière. Munamna moja. Il a conduit Joseph. Alimongoza Yusufu. Dans la maison de son père. Munyumba ya baba yake. On lui a fait une tunique. Barumfansia kanzu. De plusieurs couleurs. Ya marangi nyingi. Ses frères. Wanduku wake. Ont envié la tunique. Waritamania kanzu. Il a laissé ça. Ariacha. Il est allé. Akaenda. Dans la maison de Potiphar. Munyumba Potiphar. La femme de Potiphar. Muke wa Potiphar. Voulait coucher avec. Aripenda kutoka naye. Il a laissé la tunique. Akaacha kanzu. Il est allé en prison. Anaenda mugereza. Là aussi. Kule tena. Il a laissé la tunique. Akaacha kanzu. C'est-à-dire ce qui frappe le monde. On doit les laisser entre les mains de Dieu. On doit toujours garder ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Et qui vient de la force. La force de ta vie. La force yako, de ta famille. Nguvu ya la force yako, de ton avenir. Ya la force kesho, de ta destinée. Ya ujao wako. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. C'est l'œuvre de Dieu de ton père. Ni kazi ya Mungu wa baba yako. Qui te bénit. Itakubariki. Ton père a un Dieu. Baba yako kuna Mungu. Le Dieu que ton père prêche. Mungu mwenye baba yako anahubiri. Le Dieu que le père t'a présenté. Mungu mwenye baba alikuonesha. Si tu veux honorer le père, kama unapenda kuheshimia baba, honore le Dieu qui t'a présenté. Heshimu Mungu mwenye alikuonesha. Et tu iras loin. Na utenda mbali zaidi. La vie n'est pas difficile. Maisha ina nguvu. La vie marche avec le principe. Maisha inatembea na makanuni. Si tu obéis au principe. Ukitii kwa makanuni. Tu seras l'homme heureux sur la terre. Utakuwa mrembo mwenye heri pa dunia. Il n'y a pas seulement les gens qui souffrent. Pa dunia pana pa bantu. Tu vois que les gens souffrent. Ona zadera bantu ya teswa. Tes yeux. Tu macho yako. Ont habitué à voir ceux qui souffrent. Inazobela kona bale bena teswa. Il faut chercher aussi à voir les gens qui sont heureux. Il n'a pas dit que tu as foutu quoi dans les voitures dans quoi moyer. Toi aussi tu seras heureux. Na wepi ya utawa mwenye heri.
Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Nous baissons nos têtes en prière. Tutainamisha vichwa vyetu maombi. Prière ce matin. Maombi yangu asubuhi ya leo. Avec ce verset. Pamoja na hii mstari. Je voulais vous pousser. Dipenda kumisukuma. À mettre Dieu au centre. Ya kuweka Mungu katikati. De votre vie. Ya maisha yetu. Même si. Hata kama. Tu es désespéré. Unakata tumaini. Comme un arbre coupé. Kama muti yenye ukatika. Mais cet arbre. Lakini ile muti. A encore des racines. Inakuwa na mizizi. Tu as encore des racines. Le racine que tu as, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ma prière ce matin, que la présence de Dieu qui est à gauche, cette présence, ranime ta vie. Transforme ta vie. Change ta vie. Relève la tête de ta vie. Nous sommes assis. Le ministère international Gochem, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouah.